Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui me tient vraiment à cœur. Donc, c'est Les Mémoires d'un chat, écrit par Hiro Arikawa. Sur la couverture de ce livre, on aperçoit un chat à l'air espiègle. C'est Nana. Voici la couverture japonaise. Le chat paraît moins espiègle. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est le fait que principalement, l'histoire nous est racontée du point de vue de Nana, un chat adopté par Satoru lorsqu'il s'est fait percuter par une voiture. Cela apporte une dimension drôle, vive, gaie et espiègle, comme Nana. Une fois que Satoru a adopté Nana, il coule une vie douce et tranquille pendant 5 ans. Mais des circonstances allant contre la volonté de Satoru vont le forcer à traverser tout le Japon pour trouver un nouveau maître à Nana parmi ses anciens camarades de classe. Mais Satoru et Nana le souhaitent-ils vraiment? Souhaitent-ils cette séparation? Commence alors un long voyage au cours duquel le personnage de Satoru devient de plus en plus attachant car on le connaît du point de vue de ses amis. Le jeune homme aime les chats, mais il aime aussi tout le monde. À travers ce livre, on découvre qu'il a toujours aidé les gens à se réconcilier avec leur vie. Donc, évidemment, ce livre, je vous le conseille. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker.